كتابه معاناة المعروف أرابيزون دونك غادي نتكلم بالعربية الكتاب ديالو مفهوم التنافسية ومقاربتها هو واحد داخل في السلسلة ديال اللقاءات اللي كنظموا مع الكتاب بشكل اعتيادي في إطار شبكة تنمية القراءة عادة لا أطيل ولا أطيل سوى نرد الكلمة مباشرة للدكتور هشام بالحاج مسير وميسر وسوسة لبداية النشاط شكرا لكم على الحضور شكرا لكم على المتابعة Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de vous accueillir et d'être là avec vous pour modérer cette rencontre-débat. La salle est déjà remplie d'amis et de collègues. Elle est pleine d'un public enthousiaste et attentif. C'est donc déjà un début de succès. Avant d'introduire, permettez-moi de remercier chaleureusement le public d'être venu nombreux. Je voudrais également remercier les organisateurs de cet événement. Je pense tout particulièrement à mon ami Mohamed Kamal Merini, qui a déployé des efforts louables et titanesques. Et qui a investi une grande énergie pour la réussite de l'activité d'aujourd'hui, mais aussi pour la promotion de la culture dans une ville oubliée, marginalisée comme la ville de Sevrou, où la culture est malheureusement devenue une denrée rare. Comment allons-nous procéder aujourd'hui ? Je vais commencer par donner la parole aux professeurs, aux intervenants. Après, la parole sera cédée à monsieur le professeur Sarini Farisi. Je vais donc vous présenter les intervenants dans l'ordre de passage. Ils vont passer un par un pour vous parler, pour présenter leur communication par rapport à la thématique qui a été retenue pour cette rencontre-débat, en l'occurrence la question de la compétitivité, qui est d'ailleurs une question importante et qui est toujours d'actualité. Donc je vais commencer par M. Abdelrazak Lahiri, qui est professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Fès. Ensuite, je céderai la parole à M. Mohamed Abdelawi, qui est également professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Après M. Abdelawi, je donnerai la parole à M. Abdelhamid Nechet, qui est professeur à l'ESCG de Tanger. Enfin, je passerai la parole à M. Abdelhak Lamrani, qui est docteur en planification. Et finalement, je donnerai la parole à M. Sarini Farisi pour, en sa qualité d'auteur, pour qu'il nous parle de son ouvrage intitulé